Tu connais Hildar? Non, je ne connaissais pas. Hildar avec un Z à la fin. Je ne connaissais pas. C'est dans le golfe de Morbihan, en face de Vannes, une petite île. Eh bien, un théâtre amateur a décidé de mettre en scène et de présenter une pièce de Thomas Bernard. Thomas Bernard, c'est un de mes auteurs préférés. Bah ça alors, des croix gammées, rien que des affiches à croix gammées. Donc on croyait que c'était un mort. Rien que des affiches à croix gammées. Il a été d'une violence envers ses compatriotes, et notamment sur ce qui restait du passé nazi des Autrichiens, et avec un humour féroce. Moteur. Tu aimes faire des films, pourquoi tu n'irais pas faire une captation de cette pièce? Tout ou rien. Troisième. Action. Eh ben, je suis allé. C'était très très difficile de convaincre mes comédiens amateurs. Parce que ce sont des Turcs ou des Yougoslaves, on est tous les gazés, tous. Depuis mon retour, je n'arrête pas de me poser des questions. Le discours de Thomas Bernard, acerbe, direct, qui me parle tant, parle-t-il encore aux autres ? Et son théâtre, et au-delà, le théâtre engagé, trouve-t-il un écho, une écoute dans le monde d'aujourd'hui rongé par la montée du nationalisme et de l'intolérance? Mais M. Gessratner, il est sorti avec son seau, et au moment où il allait le vider, il y a le Turc qui est passé juste là, beaucoup trop vite. Ils conduisent comme des fous, ils vous fichent la trouille en conduisant comme ça, cette racaille en conduisant comme ça. Quel pauvre monsieur, ce M. Gessratner. Quel homme bien, quel philanthrope,